T'es là pour travailler en permanence. Anna! Ça fait 3 mois les cours sur la feuille d'appel, je comprends pas. Tiens, va me faire la vie scolaire, tu dois enlever le nom de la feuille d'appel. On sort, c'est de la force, mon travail. Salut Mehdi, ça va? Il n'a pas l'air, t'es tout blanc. Qu'est-ce que c'est cette feuille? C'est la liste d'appels. Anna, elle est encore sur la liste, alors que ça fait 30 qu'elle est morte. Ok, ça marche. Ben, je m'en occupe. Tu peux retourner en cours. Et ça, Jean. Ouais. Au revoir. Au revoir. Les gars, ils sont tous là, ils sont proches. Bah qui va mourir? À qui va-t-il arriver un malheur? Qu'elle vient me hanter, parce que je l'ai vu dans la salle de bain, je l'ai vu dans ma chambre, même dans les couloirs de l'école, je l'ai vu. Ouais, et c'est à cause de toi qu'elle est morte, je crois. Ouais. Bah, t'as qu'à lui faire une lettre pour t'excuser. Je vais faire la lettre, après je vais la ramener au CPU. Ouais. Entrez. Bonjour. Bonjour, Mehdi. C'est quoi? Assieds-toi, Mehdi, il va falloir qu'on s'explique. Que c'est très grave. Un enfant sur 10 est victime de harcèlement à l'école. Ces actes peuvent avoir de sérieuses conséquences.
perte de confiance, troubles psychologiques, dépression et même conduite suicidaire. Avant qu'il n'en garde des traces à vie, agissons.